Bonsoir, bienvenue pour ce 46e apéro poésie. Nous sommes samedi 2 mai 2020. Il est 18h30 en région parisienne, où vit le poète Damien Pézant, auteur d'un recueil intitulé Cris. Damien Pézant fête aujourd'hui son 36e anniversaire, puisqu'il est né le 2 mai 1984. Ce livre aurait dû paraître le 2 avril dernier. En raison du confinement, sa publication a été reportée au début du mois de juin. Alors, pour vous faire patienter et faire patienter notre poète, quelques textes qui, bien qu'écrits dans un contexte complètement différent, semblent nous parler de ce que nous vivons aujourd'hui. Remplace le T de doute par un C et tu te feras douce. Je resterai près du feu tant qu'il fera barrage au contre-jour, agrippé aux branches du vent pour lui couper le souffle. Je resterai me réchauffer, me lever près du feu, loin du rivage désolé. Je n'écouterai pas la rumeur du champ miné par la foudre, ni le vent siffler cet air famine qui veut emporter le blé de printemps. Je n'écouterai que le silence du champ fortifié. Il est un abri qui pense retenir la pression du risque, le mouvement vie induit par le corps, pour décider sans déduire d'une marche libre, alors qu'ici conduit à l'étrange. Il est un abri qui retient la pensée pour laisser corps au-dedans. Remplace le T de doute par un C et tu te feras douce. Douce est le résultat d'un déplacement opéré par la mémoire qui fait revivre l'embryon porté, le nouveau-né bercé. Remplace sans effacer le T de doute car par lui arrive le C de douce. Douce comme la mère qui a douté jusqu'à mon arrivée. J'espère que les mots de Damien Pézant vous auront fortifié en attendant de pouvoir retrouver ce recueil, Cris, en librairie au début du mois de juin. Moi, je vous donne rendez-vous demain pour un 47e apéro poésie.